bébé, ilo, ailo bébé, jamana ilo bébé, ilo, maître Jamosa. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ma rue chez vous. Merci beaucoup d'avoir pris rendez-vous pour partager avec nous ce moment dans cette émission Ma rue chez vous, que j'ai le plaisir, le bonheur et surtout le privilège de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Pour moi, c'est toujours un plaisir, vous le savez, je dirais c'est un privilège d'être chez vous pour partager ce moment dans cette émission Ma rue chez vous. Si vous êtes un ancien de cette émission, nous vous disons merci, merci de vous être branché. Merci de faire en sorte que chaque jour, cette émission Marius chez vous existe et nous vous en sommes très, très, très reconnaissants. Merci encore d'être là. Et si c'est pour la première fois que vous joignez à nous, ne soyez pas jaloux, sentez-vous à l'aise parce que dans cette émission aussi, vous allez vous retrouver comme tout le monde et peut-être qu'à la fin, vous deviendrez vous aussi fidèle téléspectateur de cette émission. Ça, je peux vous le garantir si vous restez jusqu'à la fin de cette émission Marius chez vous. Vous nous suivez en direct sur Facebook. Je vous salue tous les téléspectateurs de Facebook. Bonsoir également vous tous qui nous suivez sur YouTube, Marius Muhunga TV. Vous êtes très nombreux aussi à nous suivre sur Twitter, sur mon compte Twitter, Marius Muhunga. Et puis en direct à Kinshasa, vous nous suivez sur A+243. Nous vous saluons et vous disons également merci d'avoir choisi Marius chez vous pour partager l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Pendant qu'on y est, si vous sentez des petits changements ou si vous remarquez des petits changements au niveau du son, dites-nous comment vous recevez le son. Nous avons encore travaillé sur le son dernièrement. L'objectif, c'est de vous approcher le plus proche possible de la radio, comme si vous suiviez cette émission à la radio dans vos voitures. Comme on voit beaucoup de gens le suivre, faites attention à ne pas le suivre avec image. Vous risquez d'être distrait, mais si vous nous suivez en voiture, je vais dire version radio, c'est l'objectif pour que vous suiviez les images, que j'imagine sont belles, que vous pouvez aussi écouter la voix en meilleure condition dans cette émission Marius chez vous. Alors, le menu que je vous propose aujourd'hui est bien garni. Au fait, je ne sais même pas par où commencer. C'est une grande première ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a finalement démissionné. On l'a dit, il est sorti par la petite porte alors qu'on attendait cette émission avant le vote de censure contre donc le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Finalement, il est allé déposer sa démission aujourd'hui auprès du président de la République. Nous allons en parler tout à l'heure avec nos spécialistes maison. Professeur Christian Kabangé sera avec nous tout à l'heure parce que vous savez, depuis le début de cette affaire, ils ont toujours été là. Professeur Christian Kabangé et maître Adolphe Mopotou Mogbaya,
pour nous dire comment les choses allaient se passer. Et si vous êtes un fidèle téléspectateur de cette émission, vous allez constater que les choses se sont exactement passées telles qu'ils nous l'ont dit, c'est-à-dire que telles qu'ils l'ont prédit ou telles qu'ils l'ont prévu. Il sera là tout à l'heure, on va essayer de parler de ce qui s'est passé. Et après, c'est le titre de l'émission. L'informateur désigné par le président de la République, Bahati Lukwebo, a remis au président de la République, c'était hier, le rapport de ses consultations. Nous allons le suivre dans cette émission pour voir ce que nous pouvons comprendre d'un sur ce qu'il a... pour la mission qui lui a été confiée, qui selon lui était une mission très facile. Il l'a fait, il a la majorité, il vient la présenter au président de la République. Et nous allons également le suivre, parce que ça va faire partie du débat qu'on va avoir tout à l'heure, sur la stratégie qu'il a utilisée pour convaincre chacun des députés à adhérer à l'Union sacrée. Et puis, nous allons bien sûr parler, après, c'est la composition du gouvernement. Il en parle aussi, mais comment vont-ils se partager ce gâteau qui, à mon avis, n'est pas tout à fait grand, ou il est grand pour certains observateurs. Je veux dire, on va essayer de comprendre tout ça avec le professeur Christian Kabangé qui sera avec nous tout à l'heure en direct de Maryland pour essayer de comprendre ce que nous devons comprendre tout en gardant la devise de l'émission, vous informer sans vous manipuler. Et c'est ce que nous continuons à faire dans cette émission, Marius, chez vous. J'ai vu qu'il y a un téléspectateur tout à l'heure qui a dit, Marius, il y a trop de pubs dans ton émission. Bon, déjà d'un, c'est pas vrai. Des deux, ben la pub, on en a bien besoin, on doit fonctionner. C'est grâce à la pub aussi que vous avez, que vous nous suivez chez vous, que nous avons ces jolis plateaux, que nous avons une bonne connexion Internet, que nous avons une bonne qualité audio, et que je peux m'acheter aussi une cravate. Allez, à tout à l'heure. African Union Store, il y a Maman Marthe na Tacoma. Maman Marthe nde. African Union Store, ya Maman Marthe na Tacoma, ezali bongo boutique ya biloko ya kolia pona bino bandeko nyonso ya Washington State na Seattle, précisément na Tacoma. African Union etondi na biloko nyonso ya kolia oyo tokelelaka awa na États-Unis d'Amérique: mpundu, mbisi, fufu, mbika, kwanga, masanga mbila oya gene, pilipili pe mafuta oyo esalaka mosaka ya kitoko. African Union Store ezali mpe ba produit ya beauté pe bilamba ya lokumu to maputa oyo ba mama balingaka. African Union Store, lokumu ya mboka pe kolia na appétit. Mama Marthe nde. Voilà, vous informer sans manipuler tout de suite, hein, parce qu'il y a tellement, on va parler de beaucoup de sujets dans cette émission, je peux vous le dire déjà. Alors la première chose, c'est que nous allons, avec le professeur Christian Kabangé tout à l'heure, excusez-moi, voir ce qui s'est passé aujourd'hui en RDC, et hier, nous allons essayer d'analyser qu'est-ce qui va arriver après, comment les choses vont se dessiner. C'est vrai que tout ce que nous dirons dans cette émission ne seront que des projections, Dieu merci, les projections que nos analystes et maisons ont faites jusque-là se sont passées telles que nous les avons analysées. Nous allons également parler de ce qui se passe. Vous savez que l'Assemblée nationale est en train de préparer à voter ou à lire son nouveau bureau. Les candidats, les prétendus candidats se sont déjà présentés. Mais entre-temps, il y a une sorte de, permettez-moi l'expression, de guéguerre pour des postes, même au sein du même parti. Le MLC, deux candidats pour le même poste. Est-ce qu'on peut y voir le signe de la démocratie au sein de l'Union sacrée, ou simplement à la recherche du partage du gâteau? Nous en parlerons tout à l'heure. Autre chose que j'aimerais bien vous parler, dont j'aimerais bien vous parler tout à l'heure, c'est que nous allons essayer d'aller faire un tour du côté de Tanganyika. Oui, vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Alors voilà donc. Alors pour commencer, nous allons avoir bien sûr professeur Christian Kabangé. Professeur Kabangé, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Maryland encore aujourd'hui. Je ne sais pas si votre micro est ouvert.
On va essayer de voir s'il est ouvert. Alors, s'il n'est pas ouvert, on sera obligé de revenir. Je pense qu'il faut revoir votre micro. Le temps de réparer le micro du professeur Kabangé, nous allons vous proposer. Donc, le Premier ministre a déposé aujourd'hui sa démission auprès du président de la République. Et à la sortie de cette audience, il s'est adressé à la presse. Comme toujours, Ilunga Ilunkamba n'est pas du tout bavard. D'ailleurs, il l'a rappelé dans ce qu'il a dit. On va le suivre et puis on va revenir tout à l'heure avec le professeur Kabangé. Donc, je ne vais pas parler longtemps ici. Je vais vous dire ce qui est nécessaire. Parce que quand je parle, j'ai l'habitude de dire juste ce qui est nécessaire. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré, en fin de compte, les conclusions de cette situation et je viens, en toute responsabilité et conformément à la Constitution, de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoigné dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Je voudrais pour finir ici remercier Son Excellent Joseph Kabangé, président honoraire de la République démocratique du Congo, proposé comme candidat Premier ministre et qui m'a donné cette lourde responsabilité de travailler au quotidien pour le peuple congolais. Comme dit le chansonnier célèbre, il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Mais je ne quitte pas pour... Merci beaucoup. Voilà. On peut l'appeler maintenant ancien Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ce sont donc ces mots après l'audience, après le dépôt de sa démission auprès du président de la République. Alors, professeur Kabangé, j'espère que maintenant le son, il est bon et qu'on peut vous entendre. D'abord, bonsoir. Alors, le son a encore un petit souci. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère bien qu'on va y arriver avec le professeur Kabangé qu'on a perdu. C'est des choses qui arrivent. Il est là. Voilà, il est revenu. Ouais, on peut l'avoir. Professeur Kabangé, vous nous entendez ? Très bien. Ah ben enfin, on peut vous entendre aussi. On a suivi le Premier ministre hein, qui est allé déposer sa démission. D'abord, la première chose que je voudrais dire ici auprès des téléspectateurs devant vous, en fait, tout ce qui s'est passé jusque-là avec le Premier ministre, c'est tout ce que vous avez prédit ou tout ce qui sortait de vos analyses dans cette émission Maru chez vous. Les choses se sont passées exactement comme vous les avez prévues et vous avez dit, s'il continue comme ça, il fera le choix
faire une sortie honorable ou encore de sortir par la petite porte comme c'est fait. Donc il a attendu jusqu'à la fin, il a attendu d'être démis de ses fonctions pour aller déposer sa démission. Donc finalement, il est sorti par la petite porte, donc vous aviez raison. Bien sûr, je pense que on n'a pas cessé de le répéter ici, que ce soit moi, Maître Adolphe. Les règles de jeu sont dans la Constitution. Et donc, lorsque vous avez posé la question de savoir, après la rupture de l'accord FCC-CACH, qu'est-ce qui se passerait si le Premier ministre persistait à ne pas démissionner, je pense qu'on avait souligné que l'une des options serait que l'Assemblée nationale puisse adopter une motion de censure. Et que donc, à la suite de cette motion de censure, telle que le prévoient les articles 145 de la Constitution, le Premier ministre n'aurait pas de choix. Il serait contraint à démissionner parce que dans ce cas-là, ça ne devenait plus une démission volontaire, ça devenait une démission obligatoire qui lui est imposée par la Constitution. Donc, il n'avait pas le choix. Malheureusement, il sort par la petite porte. Il aurait pu sortir avec beaucoup plus d'honneur. Mais voilà, c'est la politique et le vin est tiré, il faut le boire. Voilà, le vin est tiré, il faut le boire. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, professeur Kabangé, maintenant que le Premier ministre a démissionné? Finalement, il ferme ses bagages ou il assure les affaires courantes? Alors, ça veut dire que le Premier ministre sortant et toute son équipe vont assurer ce qu'on appelle la gestion des affaires courantes jusqu'à ce que le prochain gouvernement soit formé et investi par l'Assemblée nationale. Et alors, ils vont faire mise et reprise et puis les autres vont récupérer le bâton de commandement. Alors, vous l'avez dit hein, dans cette émission, il a le choix de... Voilà, les choses se sont passées comme cela. Vous avez dit, voilà, l'Assemblée nationale va se réunir, le bureau d'aide va se réunir, parce que ce sont les prérogatives qui ont été données par la Cour constitutionnelle. On a eu des hypothèses. Si le Premier ministre ne venait pas, est-ce que il va être la motion va avoir lieu malgré tout? Vous avez dit, oui, elle va avoir lieu, et la motion a eu lieu. Et j'ai demandé si le Premier ministre pourra être éjecté par l'Assemblée nationale, enfin, au cas où il était voté, même s'il n'est pas à l'Assemblée nationale. Vous avez dit oui, ça va se passer comme ça. Vous avez même donné ce qui va se passer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et vous avez dit que dans les 48 heures qui suivent cette motion, dans les 24 heures, pardon, il devrait déposer sa démission. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis très fier de vous d'avoir des analystes dans cette émission qui parlent par rapport aux faits, qui ne spéculent pas, qui ne donnent pas leur propre point de vue, mais qui observe et qui essaie de donner des éléments, des réponses. Je suis fier de vous et Maître Mopoutou Mokbaya, merci de nous avoir amené jusque là et c'est pour ça qu'on va continuer donc à vous faire confiance. Alors avec vous, professeur Kabangé, nous allons également parler de, et après, Ilunkamba a démissionné, mais non, donc le président de la République, vous savez, avait choisi Bahati Lukwebo pour faire pour dégager la majorité au niveau du Parlement. C'est le terme que je dois utiliser, hein, pour dégager la majorité ou pour identifier. Voilà. Il faut bien utiliser les termes en droit, sinon c'est très compliqué. Alors, je vais vous proposer dans ces trois éléments, avant de commencer à réfléchir avec vous, les trois grands moments de cette entrevue entre la presse présidentielle et M. Bahati Lukwebo qui explique comment les choses se sont passées. Et sur base de ça, j'aimerais bien réfléchir avec vous sur les fondements même de cette union sacrée. D'ailleurs, Bahati Lukwebo, qui est, qu'on voit devenir peut-être dans les jours qui viennent, peut-être, ce sera lui, j'ai dit bien peut-être, le Premier ministre. En tout cas, son nom revient tout le temps et nous allons donc essayer de revenir. Alors, première chose, c'est que Bahati Lukwebo parle de la mission qui lui a été confiée donc par le Premier ministre. Selon lui, cette mission n'était pas très compliquée. Ouais, pas très compliquée et il a fait, on l'écoute. Notre mission, comme vous le savez, elle a consisté en l'identification d'une coalition majoritaire qui pourra permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de disposer de leviers de commande pour qu'il mette en œuvre son programme et qu'il honore son contrat vis-à-vis du peuple congolais.
comme vous le savez, ce n'était pas une tâche difficile. Nous avons, à notre niveau, mené notre travail sur deux axes. Le premier axe, c'est d'abord en direction des chefs des partis et des regroupements politiques qui ont des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Le deuxième axe, c'est en direction des députés nationaux eux-mêmes. Ainsi, nous avons mené ce travail-là. La première partie a été une partie discrète parce que nous estimions qu'il fallait d'abord convaincre pour ramener les gens vers l'union sacrée de la nation. Et la deuxième partie, c'est celle que vous avez vue lors des audiences accordées aux différentes délégations. Et il se fait que à l'issue de ces deux exercices, nous sommes heureux de dire que nous avons pu ramener 391 députés nationaux vers le chef de l'État, vers sa vision républicaine que nous appelons l'Union sacrée de la nation, qui n'est ni un parti politique, ni un regroupement politique. Et donc, nous avons reçu 24 regroupements et partis politiques, un indépendant, et il y a eu quelques individualités qui ont aussi librement décidé d'accompagner le chef de l'État dans sa vision républicaine que nous appelons l'union sacrée de la nation. Voilà. Pour lui, la mission n'était pas très compliquée. Il y a d'abord cette partie discrète, hein, qu'on ne vous dira jamais. C'est des choses qui se passent dans les couloirs. Enfin, comment on dit, à quatre murs. Personne ne sait, ça c'est discret. Et c'est la stratégie qu'il a utilisée et qu'il a réussi à obtenir 391 députés qui sont alliés à l'idée du président de la République pour l'Union sacrée, à la vision du président de la République sur l'Union sacrée. Et ce n'est pas, il dit, c'est pas un parti politique, c'est pas un regroupement politique. Ok. Moi, je me pose des questions, et sûrement des questions que vous vous posez aussi. On va essayer d'avoir des éléments, des réponses tout à l'heure avec professeur Kabangé. C'est pas un parti politique, c'est pas un regroupement politique. Mais les gens, ils adhèrent comment? En fait, c'est à ça qu'il essaie de répondre. Comment il a pu convaincre les députés nationaux à adhérer à l'Union sacrée, on va l'écouter. Il faut convaincre parce que l'Union sacrée n'existe pas encore comme telle. C'est jusque là une idée, une vision. Et donc beaucoup de gens se demandaient, mais comment vous nous demandez d'adhérer à quelque chose qui n'existe pas? Est-ce qu'on peut avoir le texte fondateur? Et qu'est-ce que nous réserve cette union sacrée? Et donc il fallait expliquer que d'abord, l'idée précède l'action, c'est-à-dire le président de la République, dans toutes ses sorties, il a estimé qu'il fallait qu'il y ait un changement radical dans la gouvernance du pays, qu'on puisse mettre fin aux antivaleurs et qu'on puisse bâtir un véritable état de droit basé sur le respect des droits humains, mais également une bonne gouvernance, et s'attaquer aux questions essentielles de développement intégral de notre pays. C'est toutes ces explications-là qu'il fallait donner et pour que les uns et les autres comprennent que, en fait, c'est ensemble que nous allons bâtir l'union sacrée de la nation. C'est ensemble avec les experts des uns et des autres qu'on va rédiger la charte de l'union sacrée de la nation. Et après ces explications, nous avons constaté que les uns et les autres ont compris qu'effectivement, il fallait accompagner le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à ce qu'il puisse faire de la RDC une grande puissance économique, une oasis de paix, un pays où il fait beau vivre, un pays où il y a un peuple qui pourra jouir intégralement de ses ressources que le bon Dieu a si généreusement mis à la disposition de notre pays. Voilà en fait en quoi consistait le plaidoyer. Donc ce n'était pas que vous allez inviter les gens, ils viennent et vous dites voilà, venez signer la fiche d'adhésion et ils signent. Non, ce sont des gens réfléchis, des gens responsables qui savent qu'en s'engageant, à quoi ils s'engagent. Voilà pourquoi il fallait donc donner
toutes ces explications. Vous avez entendu ça? Donc les gens n'ont pas signé de fiche d'adhésion. Il n'y a pas eu ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait expliquer. Bon, peut-être que c'est ça aussi la mission de l'informateur, hein, expliquer, vous savez, l'idée du président de la République, c'est de créer l'union sacrée de la nation qui doit travailler finalement pour l'intérêt de la population. Venez nous rejoindre. C'est pas un regroupement politique, c'est pas un parti politique, mais rejoignez-nous pour accompagner l'idée du président de la République. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'après, nous allons ensemble rédiger cette charte qui va accompagner l'union sacrée. Là encore, j'ai énormément de questions sur lesquelles je vais essayer de réfléchir tout à l'heure avec le professeur Kabangé. Mais non, l'autre grand problème, c'est que bon, après, il y a eu des négociations, ils ont fait des... Voilà, les gens ont adhéré, ok? Les gens ont adhéré. C'est comme je vous dis, écoutez, venez, moi j'ai un business que je vais faire. D'ailleurs, on va commencer une émission sur les business. Dans ce business, si ça marche... En fait, nous voulons construire une chaîne de télévision pour, je ne sais pas, après. Mais quand nous allons le faire, nous allons ensemble construire comment, réfléchir sur comment cette télévision va fonctionner. Et puis à la fin, on va se partager les dividendes. En fait, après, on doit le faire. Donc la prochaine étape, c'est comment arriver à construire un gouvernement que l'on veut avec peu de membres, pas comme on l'a vu avec plus de 65 ministres. Et là aussi, Batu Lukwebo essaie de rassurer qu'il l'a dit à tout le monde. On peut le croire, hein? Maintenant, quant à la composition du gouvernement, d'abord, il faut jamais souhaiter les choses faciles. Rien n'est facile. La composition d'un gouvernement n'a jamais été facile, mais il faut préparer les esprits pour dire qu'il y aura beaucoup de candidats, mais on ne pourra pas retenir tout le monde. Ce que j'ai retenu également de ceux qui ont été consultés, c'est que tout le monde demande qu'on puisse réduire la taille du gouvernement. On estime qu'un gouvernement de 65 membres, c'est éléphantesque. En ce moment où les ressources sont très limitées, il faut effectivement avoir une équipe réduite qui se mettra directement au travail. Réduire la taille du gouvernement. Ok. Est-ce que c'est faisable avec tout ce monde qui vient à l'Union sacrée? Vous allez faire quoi avec eux? Comment vous allez vous partager le gâteau? En fait, essayons de réfléchir. Professeur Kabangé, merci de rester avec nous. Voici comment je me pose des questions et je vais essayer de réfléchir à haute voix avec vous. Il s'agit ici des gens qui adhèrent à une idée du président de la République. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement politique. Il les a convaincus par des explications. Il a fait le plaidoyer. Est-ce que c'est une première en RDC ou parce que s'ils doivent composer le gouvernement, ça doit être par rapport à l'adhésion à un groupe ou tout ceci se fait que dans les idées. Je ne sais pas si tu comprends mes questions, professeur. Est-ce que c'est normal que on bâtit un mouvement auquel les gens adhèrent par des idées, ou bien il faut qu'au préalable, les choses soient claires, chacun sait à quoi il s'engage, et finalement, les gens y signent parce qu'ils savent qu'il y a leurs intérêts. Essayez de nous éclairer. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe, une coalition? Alors, je pense que, premièrement, il y a la perspective sur le plan politique. Et puis, je vais peut-être expliquer aussi sur le plan juridique. Sur le plan politique, l'Union sacrée, au départ, ressemble à une vision que le président de la République expose au lendemain de la rupture de l'accord FCC-CACH. On l'a suivi, je pense que c'était le 23 octobre, si je ne me trompe pas, qu'il a parlé, qu'il a expliqué et qu'il a, n'est-ce pas? Non, je pense dans le premier discours, il a expliqué les raisons de la rupture et c'est ensuite, après les concertations, qu'il a lancé l'idée de l'union sacrée. C'était une vision qui comprend des réformes et où il appelait les uns et les autres à le rejoindre. Stratégiquement, c'était un discours qui visait la reconquête d'une nouvelle majorité. Alors, aujourd'hui, comment les choses passent? C'est-à-dire que
les autres, je pense qu'ils ont effectivement signé une fiche d'adhésion à l'Union sacrée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vision du président de la République, s'il faut la traduire sur une lecture constitutionnelle, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est un accord de gouvernement, n'est-ce pas? Je vous ai dit que lorsque on n'a pas une majorité qui est spontanément donnée à l'Assemblée nationale par la population, c'est-à-dire avec un parti politique qui aurait la majorité à lui seul, c'est-à-dire 250 députés plus 1, on est obligé de recourir à l'article 78 alinéa 2 qui demande que l'on puisse avoir une coalition. Et c'est ce qu'on appelle une coalition de gouvernement. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'Union sacrée aujourd'hui. C'est une coalition de gouvernement. Et sur le plan juridique, l'Union sacrée n'a pas besoin d'avoir une personnalité juridique. Ils n'ont pas besoin de devenir un parti politique ou un regroupement politique. Ils ont besoin de signer plutôt cet accord de gouvernement, cet accord de coalition. Et je pense que c'est à ça que l'honorable Bahati Lukwebo fait allusion quand il parle de la signature d'une charte. Il va falloir se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va fonctionner, comment ça va se passer. Alors, excusez-moi, mais si on, alors là, il y a un petit souci de connexion chez vous, j'espère qu'on va se rattraper, mais si on voit que les gens adhèrent à l'Union sacrée, enfin, les gens adhèrent à quelque chose parce qu'il y a, je vais essayer de simplifier, il y a un document qui vous montre exactement ce qui va être fait. Et une fois que vous êtes convaincu, vous signez votre adhésion, parce qu'après, tout ce qui va être fait sera fait en fonction de ce que vous êtes entendu. Ici, quand on dit que c'est pas un regroupement, la peur, c'est qu'après, les choses ne se fassent pas comme les gens, ils adhèrent à une idée, espérant que ça va se passer comme ça. Mais après, les choses ne se passent pas comme il se doit, donc finalement, cette majorité n'existe plus. Comment ça va se passer? Bon, disons, j'aimerais que les gens puissent vraiment garder à l'esprit l'idée de ce qu'on appelle une coalition de gouvernement. C'est-à-dire que on se met ensemble parce qu'on veut créer un gouvernement et travailler ensemble pour atteindre certains objectifs. Or, lorsque vous suivez le discours du président de la République, il a énuméré beaucoup de points, je ne saurais pas revenir sur tout, mais il a parlé par exemple des réformes électorales, il a parlé de la question de la sécurité, il a parlé de l'éducation, et donc c'est une vision politique, l'Union sacrée, que le président présente, et il demande au plus grand nombre, y compris les députés, de le rejoindre. Alors, lorsque vous adhérez à l'Union sacrée, ça veut dire que vous adhérez d'abord à la vision du président de la République, à son discours, mais il va falloir maintenant définir comment les choses vont se passer, quels sont les objectifs, comment on va atteindre ces objectifs. Et la première étape sera, disons, après l'adhésion, il faudra rédiger une charte pour expliquer comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Ensuite, au moment où on va de l'investiture du gouvernement, ils vont présenter le programme à l'Assemblée nationale. Et c'est lors de la présentation de ce programme qu'on va décliner les différents axes, les objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on entend atteindre ces objectifs. Donc, l'idée majeure ici, c'est que c'est un accord, c'est une coalition de gouvernement. Et il n'y a pas besoin d'une personnalité juridique pour ça. C'est une adhésion en principe d'idées. Ce sont des personnes qui sont supposées venir se mettre ensemble et réfléchir ensemble comment matérialiser la vision du président de la République. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est comme ça que moi, je comprends ça. Voilà. Ah ben, j'espère que ceux qui y adhèrent le comprennent aussi comme vous. C'est ce que j'espère. Alors, l'autre question, ce qu'on a vu, il a dit tout à l'heure, Monsieur Lukwebo, qu'il a eu 391 députés qui ont adhéré à cette idée de l'Union sacrée. La question que je me pose, c'est qu'on parle souvent du partage de gâteaux, mais je préfère parler de partage de responsabilités, parce que c'est ce que ça devait être, partager les responsabilités pour mieux gérer le pays. Est-ce que tout le monde qui adhère à une coalition doit se retrouver dans le partage de responsabilités, ou c'est juste, ça peut être un accord d'accompagnement sans forcément attendre une part de responsabilité? Je peux parler de gâteaux. Alors, deux choses. Premièrement, lorsque
vous adhérez à une coalition, à la coalition majoritaire, vous allez partager le bilan. C'est-à-dire, si on arrive à la fin de la législature, quand on va décliner le bilan, vous allez aussi partager ce bilan-là parce que vous avez adhéré à cette vision. Vous avez dit oui à la vision du président de la République. Mais maintenant, est-ce que c'est obligatoire que tous les partis politiques, que tous les regroupements politiques, que tous ceux qui ont adhéré à cette coalition puissent forcément exercer une part du pouvoir, qu'ils soient tous représentés au gouvernement? Pratiquement, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas une obligation que dans la configuration du gouvernement, tous les membres de la coalition puissent se retrouver. C'est là la crainte justement, parce qu'on se dit comment ils vont. Ils se disent que le budget, le gouvernement doit avoir le moins de membres possible. Après, il faut se partager les responsabilités. Donc, ils ne sont pas obligés tous d'avoir des postes ministériels en termes de regroupement politique. Non, généralement, on procède avec ce qu'on appelle la technique. On va voir qu'en termes de poids politique au niveau de l'Assemblée nationale, disons de la coalition, ceux qui apportent un peu plus de députés et évidemment ceux qui sont minoritaires, s'il y a de l'espace, on va leur donner qui peut-être un ministère ou un vice-ministère. Mais il n'y a pas comme pour dire que c'est une obligation légale. Que puisque vous avez adhéré à la coalition, vous devez forcément avoir un poste au gouvernement. Non, ce n'est pas une obligation. Ça dépend de comment les tractations politiques vont se passer. Et sur la taille du gouvernement, je pense que c'est une évidence. C'est une évidence. On ne peut même pas réfléchir deux fois. Aujourd'hui, on a un gouvernement de près de 65 ministres et vice-ministres, on va dire si on compte au total. C'est éléphantesque. C'est tellement grand que il y a une inadéquation entre la taille du gouvernement et les défis économiques du pays. J'aimerais ici souligner que lorsque vous regardez dans l'exécution des différents budgets des années passées, même au courant de la dernière décennie, vous allez remarquer que la plupart des dépenses du budget vont dans les frais de fonctionnement. Et donc, il y a une nécessité de réduire le train de vie des institutions. Il y a une nécessité de rationaliser les dépenses publiques et c'est normal qu'aujourd'hui, peu importe le nombre des députés qui se retrouvent dans l'Union sacrée, que l'on puisse réduire la taille du gouvernement, à ajouter à cela la crise que comment la pandémie du coronavirus a amené. Donc, on ne peut que réduire la taille du gouvernement. Alors, Alors, on va dire. Maître Adolphe, tout à l'heure, m'a dit, avec coronavirus, c'est une grosse raison hein, de réduire la taille du gouvernement, parce qu'il ne faut pas exposer tout le monde au coronavirus, donc il faut qu'il y ait le moins possible de gens dans la salle des réunions du gouvernement, et réduire la taille des ministres, c'est une très bonne idée. Enfin, c'était pour rigoler. Ouais. Oh. Évidemment, ça c'est peut-être pour rigoler parce qu'on peut avoir des conseils de ministres comment sur le Zoom ou je sais pas En vidéoconférence. en vidéoconférence, voilà. Mais dans tous les cas, il va falloir réduire la taille du gouvernement. On ne peut pas faire autrement. La difficulté ici, c'est, comme je l'ai toujours dit, la gestion des ambitions. Il y a tellement du monde que l'on retrouve aujourd'hui dans l'Union sacrée. Il y a les anciens sociétaires du FCC. Il y a ceux de Cash et de, on va dire, UNC-UDPS. Il y a ceux qui sont venus de chez Moïse Katumbi et de chez Jean-Pierre Bemba. Il y a des indépendants. Donc, il va falloir que le président arrive à gérer des ambitions à ce niveau-là. Et c'est pour ça que vous avez entendu formateur comparer les autres psychologiquement pour dire qu'on ne pourra pas servir tout le monde, on ne pourra pas donner des postes à tout le monde et c'est une évidence à laquelle les uns et les autres devront se rendre et donc Est-ce que, on ne peut pas. maintenant, preuve qu'ils constituent tous une majorité, est-ce que demain, s'ils ne se retrouvent pas en termes de responsabilités, est-ce qu'ils peuvent quitter cette majorité qu'ils viennent de former si jamais ils ne se retrouvent pas? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Comment ça va se passer? Parce que ça va grignoter ou baisser la taille de cette majorité. Est-ce que d'abord c'est faisable? Ils ne sont pas d'accord, ils ne se sont pas retrouvés, ils se disent on ne fait plus partie de l'Union sacrée. Comment ça va se passer au niveau du poids parlementaire?
Bon, ils sont libres et on ne peut pas contraindre un parti politique, un regroupement politique ou des députés à rester dans un accord de coalition. De la même manière qu'ils ont renoncé à l'accord qu'ils avaient au niveau du FCC, ici aussi, ils ont la liberté, si un jour ils ne sont pas d'accord, de partir. Donc, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Maintenant, ici, ce qui va compter le plus, c'est le leadership du président de la République. Il va falloir qu'il arrive d'abord à gérer toutes ces ambitions-là, ce qui n'est pas facile parce qu'on sait comment les politiciens congolais fonctionnent. Lorsqu'ils ne se retrouvent pas en termes de poste, il suffit que ça prenne un peu de temps, qu'il n'a pas un poste qui est au gouvernement, qui est dans les entreprises publiques, on sait que ça va rouspéter. Mais je pense que on va voir comment ça va se passer. Peut-être que l'enjeu sera à la fin de la législature. On va certainement encore assister probablement à une réconfiguration des alliances politiques. Cette fois-là, ça sera en vue des enjeux électoraux. Mais à ce stade, je pense que on va voir comment ça va se passer, comment le président entend imposer son leadership. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on est dans une coalition et qu'un jour on n'est pas d'accord, on a la liberté de partir et de quitter, comme ça s'est fait dans la coalition qu'ils avaient au niveau du FCC et avant. Donc ils Est-ce sont que ça va libres, on va dire. changer alors le poids, la balance au niveau de l'Assemblée nationale, ou le fait qu'ils ont signé une fiche appartenant à un camp politique, opposition ou majorité, va les lier? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité, elle est d'abord numérique. C'est-à-dire que pour conserver la majorité tout le long de la législature, il faut se rassurer qu'on a avec soi au moins 251 députés. Ça, c'est le minimum. Alors, maintenant, il faut savoir qu'ici, on est dans une coalition majoritaire, pas dans le schéma d'une majorité qui appartiendrait à un seul parti politique. Alors, dans ce schéma de coalition, si certains députés décident de partir et qu'on tombait en dessous du seuil de 251, ça veut dire que tout peut encore basculer au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, la majorité qui est issue d'une coalition, elle n'est pas toujours stable. Elle dépend de comment de la de comment l'accord permanent qu'il y a entre le président de la République qui représente la majorité présidentielle et les différents partis qui composent cette coalition majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je pense que tout va se jouer au niveau du leadership du président de la République, comment il va gérer les uns et les autres de manière à maintenir cette cohésion jusqu'à la fin de la législature. Et j'avoue que connaissant la nature des politiciens qu'on a au Congo, ça ne sera pas une tâche facile. Alors, je suis moi très curieux de voir comment les choses vont se passer. Hein. Ilunkamba est parti. On a vu tout ce qui. En fait, jusque-là, moi, je me pose beaucoup de questions sur comment les choses se sont passées. Pourquoi est-ce qu'on doit vraiment à un moment se poser la question de savoir Ilunkamba a des conseillers juridiques? Et même aller voir l'autorité morale pour qu'il est resté fidèle jusqu'en dernière minute pour demander son conseil. Donc ce qu'il a fait, d'une certaine façon, on peut conclure que c'est le conseil de son autorité morale qui lui a dit, écoute, tu attends jusqu'à ce que voilà, tu es destitué, après tu pourrais aller déposer la démission. Alors si c'est ça la position de Joseph Kabila, est-il prêt aujourd'hui à assumer sa nouvelle casaque, enfin je parle de ça, de son regroupement politique, l'opposition, ou bien la réalité des choses fait que au niveau du FCC, il manque des stratégies politiques, ce que je doute. Parce que l'adhésion de certains membres du FCC au sein de l'Union sacrée nous pousse à réfléchir un tout petit peu. Est-ce que le FCC, qui est une grande machine politique, peut se laisser autant se ravir autant de députés? Ça, c'est des questions que je me pose. Juste, je me les pose à haute voix. Je ne sais pas, professeur Kabangé, ce que vous pensez de toutes ces questions autour de cet effondrement du FCC et qui regarde, au fait, impuissant ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique.
Bon, d'abord, ce qui est certain, c'est que quand on est minoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, on passe tout de suite à l'opposition. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute, le président Joseph Kabila et sa famille politique sont aujourd'hui dans l'opposition. Et il y a même certains leaders de sa famille politique qui n'ont pas eu de gêne à le dire, qui ont milité dans ce qu'ils appellent une opposition républicaine. Alors, en ce qui concerne la stratégie du FCC qui n'a pas marché, bon, je pense que certains lieutenants du FCC eux-mêmes ont eu à décrier le leadership, la manière dont les choses se faisaient. Je n'étais pas avec les uns et les autres, mais je pense qu'au vu des résultats aujourd'hui, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que toutes les stratégies qui ont été menées au niveau du FCC n'ont pas porté des fruits. Donc aujourd'hui, la majorité a basculé dans le sens de l'union sacrée mise en place par le président de la République. Il n'y a pas de doute possible. La stratégie du FCC n'a pas marché. Joseph Kabila et sa famille politique passent dans l'opposition. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que ça serait un problème, parce que on peut être dans l'opposition aujourd'hui et demain reconquérir le pouvoir. Tout dépend des stratégies qu'ils vont mettre en place. Rappelez-vous que l'UDPS était pendant 32 ans dans l'opposition. Ils ont réussi à finalement conquérir le pouvoir avec l'accession de Félix Tshisekedi à la présidence. Et donc, c'est vice-versa. Le jeu politique, il n'est jamais définitif. Il faut juste savoir comment affûter ses armes et définir des meilleures stratégies. Voilà. En tout cas, nous allons suivre de très près. Déjà, la course est engagée au niveau de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, qui doit élire le bureau, son bureau définitif. De plus en plus, je vais peut-être me référer à ce tweet de notre ami Stani Boujakera, Tchamala, qui parle du ticket définitif de l'Assemblée nationale. Jusque-là, voici ce qu'on voit. Le président Bosso, qui a conduit le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, les candidats à sa propre succession, disons, à ce poste du président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabunda de l'UDPS qui revient comme vice-président de l'Assemblée nationale. Deuxième vice-président, Vital Banyawesie de l'AFDCA, de Bahati Lukwebo. Rapporteur Lembila Liboula du MLC qui, au fait, se confronte aussi avec un autre candidat du MLC, le professeur Jacques Joly, qui lui aussi est allé aujourd'hui déposer sa candidature, malgré cette candidature d'un autre membre du FCC, comme on peut le voir sur ces images. Donc, le professeur Joly est allé déposer sa candidature au poste du rapporteur de l'Assemblée nationale. Voilà donc les postes qui sont à pourvoir. Et puis, rapporteur adjoint, c'est le FCC et l'opposition qui doivent occuper ce poste-là. Comme questeur, Angèle Tabou, qui est de l'ensemble de Moïse Katumbi, questeur adjoint, Kanefou, Jean-Pierre de ADRP. Voilà donc comment les choses vont se dessiner dans les jours qui viennent au niveau de l'Assemblée nationale. Nous serons ici pour vous faire vivre le vote justement de ces élections pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors la grande question, c'est que comment ça va se passer? Oui, le président de la République, vous le savez, voulait que la personne qui devienne président de l'Assemblée nationale vienne du FCC. L'actuel président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale vient du FCC. Est-ce que ce sera lui? Est-ce que Mbosso sera confirmé? Ou ce sera quelqu'un d'autre? Finalement, dernière minute, on l'a suivi, le MLC et ensemble de Moïse Katumbi se sont ralliés à l'union sacrée du président de la République. En tout cas, on va voir comment les choses vont se passer. Apparemment, ils ont l'air de bien s'entendre, mais c'est très bien pour notre pays. Alors, quelqu'un qui est jusque-là resté calme, qui commente pas tout ce qui se passe, c'est Martin Fayoulou, qui finalement a fait une déclaration dans laquelle il... Enfin, presque, il est en train de se plaindre du... Enfin, de dénoncer le comportement de Jean Bemba et Moïse Katumbi de rejoindre l'union sacrée du président de la République, et il leur demande d'en tirer toutes les conséquences. Professeur, vous restez avec nous parce que vous allez répondre sûrement à beaucoup de questions de téléspectateurs qui ont des questions, qui ont aussi des réactions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Et c'est ce qu'on va essayer de suivre. Je ne sais pas si vous avez un petit commentaire par rapport à tous les bruits que je viens de faire.
Ben non, je pense que c'est l'actualité. Martin Fayoulou, il a le droit de dire ce qu'il a dit, parce que naturellement, Jean-Pierre Bemba et comment, Moïse Katumbi, qui étaient ses alliés, ont choisi de rejoindre celui que lui considère comme celui qui aurait pris ou qui lui aurait volé la victoire aux élections. Donc c'est normal qu'il soit en rupture aujourd'hui, mais c'était prévisible depuis quelque temps. On pouvait voir qu'il n'émettait plus sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc, dans ces conditions-là, moi je pense qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou et son parti politique devraient plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle une opposition républicaine, faire un débat d'idées et non pas se focaliser sur les personnes, voir qu'est-ce qu'il a en perspective pour 2023. Et donc, je pense que c'est ça qui doit constituer la part la plus importante de son combat politique aujourd'hui, plutôt que de rester sur comment les défaites d'hier et se concentrer sur un débat de personnes. Donc, je pense que voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, et peut-être qu'avec les questions des téléspectateurs, on aura un peu plus à dire sur tel ou tel autre aspect de la Alors, situation ce qui actuelle. m'étonne aussi, prof, c'est le retour de Jean-Marc Kabunda hein, comme candidat candidat au poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Alors on se pose question, ce monsieur, on a dit, ils ont voté tous, ils ont dit, le monsieur n'est pas compétent, il doit partir. Non, il va revenir. Bon, alors, c'est l'homme fort actuel au niveau du Parlement. Il va sûrement passer vice-président. Quelqu'un qui a été destitué parce qu'on pense de lui qu'il n'a pas été à la hauteur, est-ce que c'est normal qu'il revienne encore? Bon, je pense que il y a l'aspect des griefs qui avaient été portés contre lui, évidemment, qui cachait au fait la volonté du FCC de le voir partir à l'époque. Et ce que représentait le FCC à l'époque, ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui qu'on a réussi à dépiécer le FCC, c'est cette majorité qu'il avait destituée hier a vu certains députés traverser du côté de l'Union sacrée, donc rejoindre la famille politique de Jean-Marc Kabound. Et donc, c'est normal aujourd'hui que ces mêmes députés qu'il avait destitués hier seront ceux qui vont, s'il passe, le ramener à retrouver son poste. Mais on va dire en réalité que c'est le résultat de ce qu'on appelle la transhumance. Donc, on a des députés qui fonctionnent en termes d'intérêt et de positionnement. Donc, c'est un paradoxe si on regarde les choses du point de vue de l'idéologie et aussi peut-être de la morale, on va dire en politique. Mais sinon, il a pas fait une infraction. Donc, s'il lui redonne leur confiance, il va retrouver son poste. Il va revenir, ça c'est clair, il va revenir. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas meilleure façon, y a pas meilleure façon de se venger. Hein. Il est en train de bien Ben, jouer. on va dire que si il faut regarder ça en termes de vengeance, il s'est vraiment bien vengé parce que il a réussi à influencer les choses de manière à faire partir non pas simplement Madame Mabunda, mais c'est tout son bureau. Donc, on va dire que c'est un exploit que les uns et les autres vont mettre à son compte. Voilà. Après, la question que je me pose, prof, le président, la personne qui est au pouvoir, c'est le président de l'UDPS, n'est-ce pas? C'est un candidat de l'UDPS. Donc, en principe, il est en train de mettre en œuvre la politique de son parti politique, l'UDPS, n'est-ce pas? Vous voulez dire le président de la République? Oui, Félix Tshisekedi. Bon, logiquement, c'est oui, dans la mesure où un parti politique est supposé avoir un projet de société, un programme de Non, mais c'est pour ça qu'il a gouvernement. été élu Mais par rapport à ce projet. C'était le candidat de l'UDPS. bien sûr, mais maintenant, Oui. Alors donc, il faut si savoir. coalition il y a aujourd'hui, ça doit être l'UDPS avec son programme de société auquel il appelle les autres à venir se joindre à lui pour construire le pays. Donc c'est le programme de l'UDPS qui est au sein de l'Union sacrée?
Je ne dirais pas ça parce que c'est vrai que en tant que président de la République, en tant que parti, on a une vision politique, on a un programme, mais vous savez que c'est le gouvernement qui est chargé de la gestion quotidienne du pays. Et donc, pour mettre en œuvre son programme ou sa politique, il faut avoir la majorité au Parlement. Et à ce moment-là, c'est votre projet, programme qui va passer. Mais lorsqu'on n'a pas réussi à glaner la majorité après les élections, on est obligé de composer avec les autres. Et donc, quand on compose avec les autres, ça veut dire que les uns et les autres viennent pour vous discuter ensemble de la vision, des différents éléments ou des objectifs que vous allez vous assigner. Et si vous convergez dans le même sens, vous allez travailler la main dans la main. Donc, on va dire que c'est en quelque sorte la vision du président de la République, parce que l'Union sacrée s'est mise en place à l'appel du président pour une nouvelle coalition majoritaire. Mais évidemment, les uns et les autres devront apporter de leurs idées, comment ils voient les différentes choses. Et par exemple, on a ce qu'on a appelé le G13, le groupe des 13 députés, qui, je pense, à mon sens, l'ensemble a rejoint l'Union sacrée. Et donc, ils étaient déjà porteurs de ce qu'on appelle la nécessité des réformes électorales, ce qui rencontre la vision du président de la République sur la question. Et donc, il va falloir attendre maintenant et voir comment est-ce que le gouvernement, au moment de l'investiture devant l'Assemblée nationale, va décliner les différents objectifs de ce programme. Donc on va dire que c'est la vision du président, mais il est obligé de composer avec les autres parce qu'il est dans une logique de coalition. Et ici, ça va être quoi, un gouvernement d'union nationale? Non, hein? Non, c'est pas un gouvernement d'union nationale parce que dans le gouvernement d'union nationale, on retrouve à la fois l'opposition et la majorité. Mais ici, c'est un gouvernement de coalition et donc voilà, c'est une coalition majoritaire, une coalition de gouvernement. Bon, prof, vous restez avec nous, hein. Sûrement qu'il y a des questions des téléspectateurs. Moi, j'aimerais bien partager avec vous quelque chose. Vous pouvez poser des questions tout à l'heure quand on va ouvrir le téléphone au professeur Kabang et Christian. Mais j'ai quelque chose que je voudrais aussi vous montrer. Vous savez pourquoi? Comment on appelle ça? On appelle ça en anglais disclaimer. Je pense que je dois le dire. Donc, ce n'est pas une promotion que je suis en train de faire. Je n'ai pas été payé pour cela. Mais j'ai juste vu ça et je me suis dit, mais tiens, pourquoi on n'en parle pas? OK? Vous connaissez tout le débat autour de Zoé Kabila à la tête de la province de Tanganyika. Je pense que beaucoup d'entre nous savons ce que les gens racontent autour de sa gestion de la province et tout ce que cela implique, surtout l'opposition. Alors, j'étais en train aujourd'hui de regarder sur Internet. Je suis tombé sur ces images dans la province du Tanganyika. Au fait, Zoé Kabila, il est en train de faire des travaux. Regardez, j'ai vu ça, j'ai vu cette route-là, et ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai vu aussi ce pont en béton. Pourquoi on dirait pas Zoé Kabila béton? Ah ben il fait quelque chose, hein. Il faut pas seulement parler de lui quand il fait pas les choses bien, il faut aussi parler de lui quand il fait des choses, quand il fait pas bien les choses, mais il faut aussi parler de lui quand il fait des choses bien. À la fin, c'est le Congo qui en bénéficie. En tout cas, si ces images que j'ai vues sont vraies, coup de chapeau, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qu'il essaye d'implémenter dans sa province du Tanganyika. Donc on peut dire Zoé Kabila béton, parce que ce pont-là, il a l'air en béton. Alors je vous retrouve donc dans quelques instants pour passer, pour vous écouter. Nous allons vous donner le numéro de téléphone si vous ne l'avez pas déjà. 001-202-847-94-74. Je vous retrouve donc dans quelques instants pour savoir ce que vous pensez de ce qui se passe, de la démission de Sylvestre Ilunkamba et du prochain gouvernement. À tout à l'heure. African Union Store, il y a Mama Marthe na Tacoma. Mama Marthe nde. African Union Store ya Mama Marthe na Tacoma ezali bongo boutique ya biloko ya kolia pona
bino bandeko nyoso ya Washington State na Seattle, précisément na Tacoma. African Union est tondi na biloko nyoso ya kolia oyo to kele la kawa na États-Unis d'Amérique, pondu, mbisi, fufu, mbika, kwanga, masanga mbila oya gene, pilipili pe mafuta oye salaka mosaka ya kitoko. African Union Store ezali mpe ba produits ya beauté pe bilamba lokumu toma puta o ba mama balingaka. African Union Store lokumu ya mboka pe kolia na appétit. Mama Martende. Nous allons donc prendre le tout premier appel de cette émission. Allô? Allô, allô, allô? Oh là là, allô, est-ce que vous m'entendez? On va essayer d'arranger les téléphones et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'espère que maintenant on pourra, j'espère qu'on pourra l'entendre, notre ami. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, bonsoir. Bonsoir, c'est Moïse de Bordeaux. Moïse, on vous écoute. Oui, bonjour à tout le monde et bonsoir pour ceux qui, comme chez moi, il fait déjà nuit. Une question au professeur Kabangé. Je voudrais savoir, est-ce que dans la configuration actuelle, de l'Assemblée nationale, l'UDPS ayant un parti qui n'a pas vraiment la majorité au Parlement, est-ce que la question que Marius posait tout à l'heure de voir le programme de l'UDPS être adopté par l'Union sacrée peut être valable, puisque l'UDPS n'a vraiment pas la majorité au Parlement. On va dire qu'ils ont 32 députés. Ça m'étonne même que leur président par intérim soit vice-président. Mais bon, ça c'est la cuisine interne de l'Union sacrée. Voilà ma question. Merci beaucoup, professeur Kabangé. On écoute votre réponse. Voilà, je commence d'abord par la dernière remarque pour dire que théoriquement, sur le... Il y a un peu de bruit là. Oh, ça continue les bruits? Là, ça va. Oh, désolé. Ok. Voilà, donc je disais que sur le fait que Jean-Marc Aboun soit candidat, on peut épiloguer sur le fait qu'il était là, c'est les mêmes députés qui l'ont destitué, il revient. Mais... on va dire que du point de vue des principes, il n'y a aucune contrainte légale qui l'empêche de se représenter et d'être élu à nouveau. Alors, je reviens sur la question du programme. Le programme, lorsque un parti politique a un programme, pour réussir à l'appliquer et à le faire entériner, il faudrait avoir la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il fallait que l'UDPS puisse avoir 251 députés au moins. À ce moment-là, ils allaient concourir à la formation du gouvernement et ils allaient eux-mêmes appliquer leur programme au niveau du gouvernement. Mais lorsqu'on n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ça veut dire que l'UDPS a un projet, mais il va devoir discuter avec ses autres partenaires. Par exemple, dire sur la question des réformes électorales, qu'est-ce que le MLC pense, qu'est-ce que l'Ensemble de la République pense, et ils devront se mettre d'accord sur ça. Et on le saura beaucoup plus au moment où de l'injure du gouvernement. Donc aujourd'hui, il est difficile de dire que c'est le programme exclusivement de l'UDPS qui va s'appliquer parce qu'on est dans une logique de coalition. Donc les uns et les autres devront concourir et le programme qui sera présenté par le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale sera en quelque sorte le programme du gouvernement de coalition auquel l'UDPS et les autres forces politiques vont devoir concourir.
Voilà ce qu'on peut retenir. On va prendre cet appel. Allô? Allô, Marius, bonjour chez vous, félicite au cas. Bonjour, vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? Je m'appelle Veni, j'appelle depuis l'Afrique du Sud d'Urban. Vous avez dit Veni? Veni, oui, depuis l'Afrique du Sud à Durban. On vous écoute, Veni. Oui, Marius, bonjour encore, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à ce moment. Ma question, je la pose encore une fois au professeur. Alors, j'aimerais savoir ceci. Avec le retour de Jean-Marc Kabound au niveau du poste de premier vice-président, encore une fois. Ok. Allô? Alors, j'aimerais savoir, Marius, avec l'assistance du professeur, c'est de savoir quel est ce principe, le fondement juridique que nous pouvons tous nous baser sur pour pouvoir justifier le retour de Jean-Marc Kabound, d'autant plus que nous savons qu'il l'a été destitué destitué du bureau pendant ce terme, pendant ce mandat. Et durant le même mandat, Jean-Marc Kabound retourne alors qu'il a été destitué avec des raisons qui ont été avec des charges qui ont été placées. Vous avez déjà posé votre question, comment on peut justifier le fait qu'il revienne, ok? On va écouter la réponse du professeur Kabangé rapidement. Je pense que le règlement intérieur ne l'interdit pas, je crois. Prof. Voilà, donc je pense que deux choses. Premièrement, il n'y a aucune disposition, en tout cas à ma connaissance, qui puisse interdire qu'il se présente. Le principe en droit qui lui donne la possibilité de se représenter, c'est simplement le principe de légalité, c'est-à-dire qu'il est député comme tous les autres députés, et la Constitution garantit le droit à l'égalité entre tous les Congolais. Donc, si d'autres députés peuvent postuler, lui aussi, il peut postuler. Le seul problème, c'est peut-être sur du point de vue de la moralité politique, ça paraît bizarre qu'une personne qui a été déchue pour incompétence puisse repartir. Ça veut dire quoi? Qu'il a acquis des nouvelles compétences? Ça, je sais pas le dire. Mais du point de vue du droit, du point de vue juridique, il n'y a aucune disposition à ma connaissance qui l'interdit. Et donc, partant du principe de l'égalité qui est reconnue à tous les Congolais, évidemment l'égalité entre tous les députés, si les autres peuvent postuler, lui aussi il a le droit de postuler. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça, juridiquement parlant. Merci beaucoup. On va prendre Monsieur Kapoutou qui nous appelle depuis New York. Monsieur Kapoutou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marius. J'étais très heureux de suivre la discussion aujourd'hui et vos questions multiples auxquelles je crois que le professeur ne saura pas répondre tout à fait. J'en ai plein. J'ai plein de questions, merci. Ça c'est clair. Merci encore pour cette occasion. Et moi j'ai deux petites questions qui vont dans le même sens. Étant donné le précédent que nous avons eu à observer, parce que nous était dit avant, nous qui ne connaissons pas grand-chose au droit, qu'en fait les gens choisissaient entrer dans la majorité au début d'un terme et en sortait à la fin. Étant donné le précédent qui vient de se passer et la question que vous venez de poser, qui a démontré que les parlementaires pourraient, au cours du mandat restant, encore aller sortir, aller où ils veulent s'ils ne sont pas satisfaits. Je voudrais savoir du professeur Kabangé comment il juge cette affaire maintenant. Cette affaire-là de leur donner la possibilité d'aller de gauche à droite, et ce que cela pourrait représenter comme précédent pour le pays. Alors, en deuxième lieu, juste sur un petit mot pour lequel vous étiez d'accord avec lui et pour lequel, personnellement, je ne suis pas d'accord avec vous deux, c'est de dire que le professeur est sorti par la petite porte. Moi, je crois qu'il est simplement sorti par la porte et que comme tout professeur, comme moi aussi à sa place, peut-être que j'aurais fait la même chose, il a résisté, il a laissé aller le bateau dans la direction qu'il croyait bonne
Et à la fin, il a été présenté sa démission. Donc, parler de petite porte, j'ai remis un peu cela en question. Voilà. D'accord. Ok, parce que voilà. Je pense que petite porte pour nous rimait du fait qu'il savait, il pouvait voir que ça arrivait. Et au lieu d'en arriver là, il démissionne parce que déjà, il ne croit pas au système, il ne croit pas... voilà. La grandeur aurait voulu qu'il démissionne avant parce qu'il a vu venir, mais qu'il a attendu jusqu'à être ridiculisé. Ça n'aurait pas... Non, il n'a pas été ridiculisé. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Je crois qu'il a attendu. Et bon, nous avons attendu, nous avons suivi. Il a déposé maintenant la démission. Bon, correct. On va voir la suite. C'est votre point de vue, je le respecte. Merci beaucoup. Prie, merci bien. Merci, je vous en prie. Kabangé, on vous écoute. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié la première question. Je commence par la dernière, juste pour dire que, évidemment, c'est son point de vue, hein, mais j'aimerais souligner ici qu'il a été destitué par l'Assemblée nationale dans l'explication, la présentation de la motion. Il a été destitué pour incompétence. C'est ça qui a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être destitué pour incompétence et prétendre qu'on est sorti par la grande porte. Ça, c'est paradoxal. Lorsque vous suivez l'exposé des motifs, l'exposé de la motion par l'honorable, j'ai oublié son nom, celui qui a présenté, Chérubin Okende, quand il a présenté les différents éléments, les griefs, il a clairement dit que c'était pour incompétence. Et donc, l'histoire retiendra que le Premier ministre Ilunkamba a quitté ses fonctions parce qu'il a été destitué par une motion de censure, c'est-à-dire que le Parlement lui a retiré la confiance pour incompétence. Et ça, je ne vois pas comment on peut le dire autrement. Il est sorti, à mon avis, par la petite porte. Alors, je reviens à la première question. J'espère que je n'ai pas oublié les différents éléments. Notre ami pose une question. Il dit, on a permis aux députés, au milieu d'une législature, de prendre des directions différentes. Alors ici, j'aimerais insister sur quelque chose. Je l'ai souvent dit, je suis souvent revenu sur ça, pour vous dire que la majorité qui se forme, j'insiste beaucoup, suivant lorsqu'elle est spontanée, c'est-à-dire qu'un seul parti a obtenu plus de 251 sièges, elle est beaucoup plus stable qu'une majorité qui est issue d'une coalition. Parce que la coalition, même si c'est vrai qu'on fait la déclaration d'appartenance à la majorité au début de la législature, mais vous ne pouvez pas forcer les gens à rester dans une coalition jusqu'à la fin de la législature. Ça peut pas s'expliquer parce qu'une coalition, c'est un contrat. Donc, vous ne pouvez pas forcer et obliger les députés à rester dans une coalition jusqu'à la fin de la législature. Alors, je pense que dans le futur, il va falloir réfléchir sur cette question pour voir comment justement réglementer cette question au cas où, dans le futur, on avait encore cette hypothèse où la coalition venait à disparaître en plein milieu d'une législature. Alors maintenant, la liberté des députés, c'est quelque part, on veut, je pense qu'il veut nous ramener à ce qui a été dit par la Cour constitutionnelle. Je l'ai dit ici que, à mon avis, le problème, ce n'est pas d'abord l'arrêt de la Cour, ce n'est pas le règlement intérieur. Le problème, c'est le comportement des députés. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on adhère dans un parti par idéologie, mais qu'on refuse de s'aligner sur les positions du parti. Vous comprenez? Donc, chez nous, les gens n'adhèrent pas dans les partis par idéologie. Donc, le grand problème ici, c'est le comportement des députés, mais malheureusement, il n'existe aucune contrainte légale pour les obliger à rester dans la discipline du parti. Vous ne pouvez pas obliger à rester dans la discipline du parti, sauf s'il décide de lui-même de quitter son parti. Vous savez quelle est la sanction, il perd le siège. Donc, le grand problème ici, c'est le comportement des députés, c'est le comportement des acteurs politiques congolais qui n'ont pas d'idéologie, excusez-moi de le dire un peu comme ça, comme des prostituées. Ils vont dans tous les sens, dépendamment de leurs intérêts. Donc, d'accord, voilà, on va essayer de prendre cet autre appel. Allô? Allô? Allô, Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser la question au professeur.
Allez-y. J'ai lu de savoir. J'ai lu de savoir qu'avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, comme on l'a vu, ils ont libéré les députés pratiquement à être des indépendants hein, après les élections. Comme aux États-Unis, un républicain peut voter avec des démocrates. Vous ne pensez pas, selon le professeur, que ça augure le désordre à l'Assemblée nationale ou avant même la fin de la législature? On ne va pas revenir sur les mêmes questions. Il n'y a pas de contrainte. Le professeur l'a dit tout à l'heure, qu'un député puisse rester. Voilà. Et il a expliqué un truc dans ce sens, que c'est dommage. Je pense que vous revenez sur la même chose, à moins que je me trompe. Non, non, mais moi je me demande si on pouvait changer d'autres majorités d'ici 2 ou 3 ans encore. C'est ça ma question, le fondement. D'accord, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'échanger la majorité pour le restant du temps de cette législature? Mais bien sûr, si la coalition disparaît, si la coalition actuelle disparaît, comment est-ce qu'on va encore former le gouvernement? Parce que si la coalition disparaît, le gouvernement doit disparaître. Alors si le gouvernement disparaît, comment on fait pour former un nouveau gouvernement? Il va falloir mettre en place une nouvelle coalition majoritaire. C'est pour cela que je vous dis que la majorité qui se forme par la technique d'une coalition, elle est fragile. Il n'y a pas de garantie de stabilité. Voilà. Donc à tout moment, la coalition peut éclater, et si la coalition majoritaire éclate, ben le gouvernement doit aussi tomber parce qu'il n'est plus assis sur une majorité. Et comment on fait pour former à nouveau le gouvernement? Il va falloir identifier une nouvelle coalition majoritaire. Donc il y a une différence, j'aimerais vraiment que ceux qui nous suivent retiennent ça, entre la majorité qui se forme par la voie de coalition et celle qui est spontanément donnée par le peuple congolais, telle que prévue par l'article 78, alinéa 1er de la Constitution. Voilà. Merci. On va prendre cet appel qui vient d'Angola. Allô? Allô? Bonsoir, Marius. Bonsoir. Bonsoir au professeur Kabangé. Meilleurs voeux à tout le monde. Bonsoir. Merci. Meilleurs voeux à vous. On vous écoute. Vous appelez comment et vous appelez d'où? Oui, je m'appelle Yves. J'appelle à partir de Luanda. On vous écoute, Yves. Oui. Moi, ma question, c'est par rapport... Parce que vous venez de parler de la sortie du Premier ministre par la petite porte. Moi, je rejoins le monsieur qui a intervenu tout à l'heure. Parce que la petite porte, j'aimerais poser la question directement au professeur Kabangé. Est-ce que l'acte de nomination de monsieur Ilokamba était fait selon les règles établies dans la Constitution? Allez-y. Ça, c'est la question. Parce que si vous lisez l'acte de nomination par le président de la République, cette ordonnance-là, à mon avis, je pense qu'il y avait un problème, il y avait un souci. Parce que on dit, vu la Constitution qui donne le droit au président de nommer, non, n'est-ce pas? Et puis, le deuxième point, c'était, vu l'accord politique entre le FCC et le CACH. Là, moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que l'opposition, notamment le camp Fayulu, n'avait pas demandé à ce que la Cour constitutionnelle puisse interpréter si cette ordonnance-là était légale? Parce que, en fait, il a été nommé, pas après une mission d'information, pas une nomination d'informateur, mais pas après une mission d'information pouvant identifier légalement la majorité afin de proposer un premier ministre. Lui, il avait été nommé après une tractation qui s'est faite en fait dans l'ombre et que nous ne savons pas les tenants et les aboutissants, quel a été réellement le point central de la coalition FCC-CACH, ce qui les avait unis en fait. C'est pour ça que je pose la question maintenant pour savoir si l'ordonnance en question était, bon je ne dis pas constitutionnelle, anticonstitutionnel, parce qu'il revient à la Cour constitutionnelle de le faire. Mais je demande simplement s'il n'y avait pas une vice de procédure dans la nomination même de Ilokamba. Et je pense que c'est ce qui a motivé le fait qu'il ne soit pas déplacé pour aller
c'est défendre au Parlement. Mais parce que il sa légitimité. Pour défendre les budgets et tout ça, hein, il allait au Parlement sans problème. Mais rappelez-vous, c'est là où vient l'histoire de l'autorité morale, en fait. Parce que, en fait, c'est qui s'est fait. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une succession. Le fait que le Parlement l'ait investi ne dit pas que c'était la marche à suivre. Je veux vraiment l'interprétation du professeur parce que le fait qu'il soit allé se présenter plusieurs fois au Parlement, c'était pour justifier son plan d'action. Mais maintenant, quant à sa légitimité, il ne vient pas du Parlement parce que ça l'ordonnance ne tire pas la légitimité du Premier ministre Iloukamba du Parlement. J'ai déjà dit des peurs de vous répéter. On va entendre la réaction du professeur Kabangé. Ok, merci beaucoup Mario, c'est bonne soirée à vous là-bas. Merci, au revoir. Oui, allez-y, voilà. Prof. Alors je pense que notre ami mélange un peu beaucoup de choses à la fois, mais on va essayer d'élaguer les zones d'ombre. Alors, premièrement, concernant l'ordonnance de nomination, au niveau de la procédure, n'est-ce pas, qui avait conduit à sa nomination, on l'a déjà dit ici, le président aurait dû nommer un informateur, il ne l'avait pas fait, c'était pas correct, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y a le fait que le FCC, en tant que, je sais pas, on va dire regroupement politique ou on va dire coalition au niveau politique, plateforme politique, n'était pas formellement ou juridiquement représenté au sein de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Ce qui fait que cet accord-là qui avait conduit à sa nomination, en principe, ne répondait pas aux critères, n'est-ce pas, édictés par l'article 78 de la Constitution. Maintenant, est-ce que l'ordonnance du président de la République, pour autant, ne pouvait pas ressortir ses effets juridiques? Non, parce que toutes les ordonnances qui sont prises par le président de la République jouissent de ce qu'on appelle en droit le privilège du préalable, c'est-à-dire que peu importe les griefs qu'on peut avoir contre les ordonnances du président de la République, elles connaissent une exécution immédiate, elles s'appliquent immédiatement. Alors, si on n'est pas content, on estime que cette ordonnance n'avait pas respecté, n'est-ce pas, les conditions légales ou constitutionnelles, il y avait deux options. C'est un acte administratif, il fallait avoir à se présenter devant le Conseil d'État et essayer d'obtenir son annulation, chose qui allait être difficile parce que les actes de nomination du président de la République sont ceux des actes de gouvernement. Donc, ils échappent au contrôle du juge administratif, sauf lorsqu'il y a, par exemple, violation des droits de l'homme. Ça, c'est juste entre parenthèses. Du côté du juge constitutionnel, notre Cour constitutionnelle l'a dit à plusieurs reprises qu'elle n'est pas compétente pour idées sur les actes de nomination individuels qui sont pris par le chef de l'État. C'était ça l'argument qui avait été utilisé lorsque on avait posé la question sur la nomination des commissaires spéciaux. Maintenant, au niveau de l'obligation que le Premier ministre a de se présenter devant la Chambre nationale. Je ne vais pas parler longtemps ici. Je vais vous dire. Pardon, profond, on vous a interrompu. Allez-y. Ok, voilà. Sur le deuxième aspect, est-ce que ce qui s'est passé en amont pouvait être un prétexte pour le Premier ministre de ne pas se présenter devant l'Assemblée nationale? Eh ben non, parce que il ne revient pas au Premier ministre de statuer sur d'abord la constitutionnalité de nomination qu'il avait nommée, parce que si lui-même il contestait cet acte pour prendre prétexte, ce n'est pas à l'Assemblée nationale, ben la question qu'on va se poser, c'est en vertu de quoi il exerçait ses pouvoirs. Donc, quand vous lisez, j'aimerais qu'il aille lire l'article 146 et 147 de la Constitution, lorsque il y a une motion de censure par l'Assemblée nationale, le Premier ministre, qui est exposé à l'Assemblée nationale, le Premier ministre devrait aller pour présenter ses moyens de défense. Il n'est pas parti, c'est son droit. Maintenant que le vote à la motion a été adopté, il n'avait pas le choix, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'était dans ce cas une démission obligatoire, il devait déposer sa démission, et voilà où est-ce qu'on est, on en est. Donc, je ne pense pas qu'il avait le droit de le faire. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il pouvait, s'il n'était pas d'accord avec la procédure comme il a eu à le dire, il pouvait saisir la Cour constitutionnelle. Il y a eu, je donne ici les exemples des gouverneurs qui ont été destitués par des motions au niveau des assemblées provinciales, qui sont allés au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire que la procédure n'était pas régulière et qui ont eu gain de cause. Et la Cour constitutionnelle a annulé la motion parce qu'elle violait la Constitution et ils ont été réhabilités. Alors,
Oui, prof, on a compris, excusez-moi, mais il y a ces questions, hein, par exemple, de Jean-Marc Mbaya, que je lis comme ça sur le commentaire, et beaucoup de gens se posent la question. Après que l'Union sacrée est passée par l'Assemblée nationale, le gouvernement, maintenant les yeux sont braqués vers le Sénat, quels sont les autres possibilités de faire tomber le bureau du Sénat? Est-ce que c'est la même procédure qu'à l'Assemblée nationale? C'est juste des questions, hein, on ne dit pas que c'est dans le projet. Comment ça peut se passer? C'est la même procédure telle que ça s'est passé à l'Assemblée nationale, motion de censure contre Thabo Mwamba, et puis il vote sa destitution, et puis il part, ainsi de suite? Oui, bien sûr. S'ils veulent le faire, ils vont suivre la même procédure. Ils vont ceux qui veulent le faire vont déposer une motion de censure. Je pense que là, le nombre n'est pas exactement parce qu'il n'y a pas le même parce qu'ils sont pas. Mais oui, mais je pense que c'est toujours le 1/4 des sénateurs, je pense, si je ne me trompe pas, je le dis sous réserve de vérifier dans les textes. Ils vont déposer la motion et puis elle sera la pétition, il faut pas que je me perde. Ils vont déposer la pétition et ensuite ils vont prendre le doyen d'âge et puis ça sera exactement comme à l'Assemblée nationale. Mais j'aimerais quand même souligner que le fait que la majorité ait basculé au niveau de l'Assemblée nationale ne veut pas forcément dire qu'on va faire partir le président du Sénat. C'est une décision que la nouvelle majorité devra prendre elle-même. Souvenez-vous que Léon Kengwa Dondo, qui était de l'opposition, non seulement qu'il avait remporté les élections, mais il s'est maintenu pendant tout. Bon, ça, c'était une opposition de façade, hein, professeur Kabangé. Il n'était pas vraiment dans l'opposition. Évidemment, là je prends ça juste pour expliquer les principes, pour dire que ce n'est pas parce que le président qui est au perchoir du Sénat a basculé dans l'opposition que forcément il faut adopter une pétition et le faire partir. Non, mais si ceux qui ont aujourd'hui la majorité décident de le faire, ils vont suivre cette procédure-là, adopter une pétition avec le nombre requis, déposer ça au niveau du bureau, le doyen d'âge au niveau du Sénat va aussi organiser le vote, et s'ils sont déchus, les déchus. Voilà, merci beaucoup. On va prendre cet appel qui vient de Belgique. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Marius. Bonsoir. C'est Domi, hein. Grand frère, comment vous allez? Très bien, je sais pas vous là-bas si tout se passe bien. Ça va très bien, sauf qu'il fait très froid ici, mais ça va. On tient debout avec notre nouveau président. D'accord. Biden, qui signe des décrets aussi tous les jours. Pour effacer toutes les traces de Trump, mais ça va, on tient le coup. On espère. Et bonsoir. Allez-y. Aussi au professeur Kabangé, votre oui. Invité. Mm-hmm. Bonsoir. En fait, ma question justement s'adresse au professeur Kabangé. J'ai entendu tout à l'heure un des confrères qui est passé, donc qui a fait son intervention, en évoquant l'ordonnance de nomination du Premier ministre. Il demandait si c'était légal ou pas. Et j'ai entendu la réponse du professeur qui dit que tout au début de vos émissions, tout ça, il parlait toujours que l'ordonnance, donc la procédure n'était pas correcte. Moi, j'aimerais bien qu'il cite vraiment le terme juridique à la place de dire c'est pas correct ou ce n'était pas correct, qu'ils nous disent clairement que c'était une violation. Vous voulez entendre, ok, qu'est-ce que vous voulez entendre? Vous voulez entendre que le président a violé la Constitution, c'est ça, hein? Voilà ce que okay. Je veux entendre. Puisque j'ai comme l'impression que nos juristes, quand ils interviennent, souvent ils viennent nous citer des articles, la Constitution, ceci, cela, tout ça. Mais quand il y a quelque chose qui cloche, ils rejettent la responsabilité sur la Cour constitutionnelle. C'est et comme il parle des erreurs. Il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur, non. Il y a violation de la loi, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, très violation. Bien. Alors, on va écouter la réponse. Violation. Puisque là, c'est comme si on était en train d'échapper ou d'éviter à nous donner vraiment le terme clair de droit. D'accord. Alors, voilà, alors maintenant, on va voir si le professeur va dire merci. Ce que vous avez envie d'entendre ou bien il a une réponse. Professeur, on vous écoute.
Voilà. Voilà, vous avez dit que c'était pas correct, non? Dites-nous, le président a violé la Constitution en faisant ça? Voilà. Je vais répondre, il n'y a pas de problème. Lorsque vous lisez l'article 78 de la Constitution, je reviens sur ça, on vous dit que lorsque il n'existe pas de majorité, ça, là on est à l'alinéa premier, le président de la République confie une mission à une personnalité pour identifier une coalition au niveau de l'Assemblée nationale. Au début de la législature, il n'y avait pas cette majorité au sens de l'article 78, alinéa premier. Donc, le président devait désigner un informateur pour le faire. Il ne l'a pas fait, et donc la procédure qui avait été suivie en allant nommer directement le premier ministre était inconstitutionnelle. Voilà. Mais pas une violation de la Constitution. Mais une violation de la Constitution, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que la procédure est inconstitutionnelle. Sauf que je vois où est-ce qu'il va en venir. La violation qui conduit en avant de la responsabilité du président de la République ne peut être qu'une violation intentionnelle. J'aimerais alors, prof, dites-nous si le président avait à l'époque violé la Constitution ou pas. Et moi, je me mets juste à la place de Monsieur Demy qui a appelé tout à l'heure. Je dis une chose. La procédure suivie par le président de la République violait la Constitution. Donc, c'était une violation de la Constitution. Il fallait nommer un informateur. OK? Alors, maintenant, est-ce que... Mais l'intentionnel, violation... quand vous dites l'intentionnel vient d'où? C'est qui juge de l'intention? Justement, c'est là que je veux en venir. Ouais. D'abord, l'inconstitutionnalité d'une ordonnance, ce n'est pas vous et moi qui la décidons par voie d'autorité. Il y a des instances qui sont établies par la Constitution et en l'espèce, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui se déclare sur les questions liées à l'inconstitutionnalité par voie d'autorité, je précise bien. C'est-à-dire que vous et moi, on peut émettre des opinions, mais nos opinions n'ont pas valeur, n'ont pas force de loi. OK? Donc, c'est à la Cour constitutionnelle qu'il revient de sanctionner l'inconstitutionnalité d'un acte. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit ici, l'acte de nomination du Premier ministre fait partie de ce qu'on appelle en droit administratif des actes individuels. Et dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a eu à le dire qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur les actes individuels dans lesquels les présidents de la République nomment les uns et les autres. Donc, ici... Je n'ai pas froid aux yeux de le dire, le président de la République devait nommer un informateur, il ne l'avait pas fait, la procédure était donc inconstitutionnelle. Alors Non, vous n'avez toujours pas dit sa phrase. Il veut entendre que le président de la République a violé la Constitution. Moi, je me mets à sa place, je veux juste être sûr que c'est ça ou pas. Dites-nous, écoutez, il a violé la Constitution ou pas? Écoutez, le président de la République, lorsqu'il n'a pas nommé l'informateur alors que la Constitution l'exigeait, il avait violé la Constitution. Ah, mais voilà, très bien, merci. Je pense que notre ami est satisfait, venant d'un juriste. On voulait l'entendre. Moi, je me mets à sa place aussi. On va essayer de prendre cet appel qui vient de France. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, Maurice. Bonsoir? Ouais, j'appelle depuis la France. Vous vous appelez comment? Je sais qu'il fait tard, sûrement que vous voulez pas parler trop fort pour ne pas déranger les gens autour de vous. Vous vous appelez comment? Ephraim. Ephraim, on vous écoute. Ouais, je préfère parler la lingala. Comme t'es. Bon. Marius, bon, na zo posé nani maître et prof Christian question témène na zo na éclairé ba mieux belé ba tout question ya ba député décision ya cour et puis si ba député comme indépendance Moroboué. Ce qui bazo se souvenir na 2011 ba député à IDPS bazala qui éli na parti à IDPS. Qui c'est que dia si parti si bango ke ba CGT. Ma député va siéger. Mais avec indépendance, ils ont indépendance. Il y a un constitution pesa bango. Deuxième, Badi Banga, azala ki député na liste ya IDPS na kati ya parlement. Na kati ya mandé silaté, a comme premier ministre comment? Donc, ça va poser question que comment la kati kati ya mandat, mouta opposition comment la pouvoir? Badi Banga azala ki
président ya président ya IDPS na kati ya 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 commission mon frère tozong la kunate mais soit totali bien gouvernement aux états solo je pense que bakenda qui dialogue à Senko ba koma qui na ba voilà ba procédure jusqu'à ce que il fallait qu'il président batikelaye y apona ce qui premier ministre donc voilà tout ça c'est normalement constitué Marus na kati yote. Bongo Félix le rasali si consultation. Na dialogue na consultation. Nyo sela li solote. Eza lo komote. Dialogue na consultation. Selon ba juriste eza ndenge morote. Il paraît selon ba juriste que na dialogue boya to solo la to sala ndenge nini. Bo solo li bo solo li bo dégagé mais na consultation ce que ezali na yo kabino bolingi to sala ndenge nini. Après na ko décider. Wana to boyite. Mais na boyi wana te mais Badi Bangazala qui président y a groupe parlementaire IDPS. Parlement pour faire quitter. Parlement encore existe. Est-ce que vous avez dit que la négociation en l'isolo Mogo Bima qui que Étienne Tshisekedi a pesa qui liste parce que bah comment qui na moment y a pour na premier ministre. Donc on les a accord. Badi Banga Badi voilà Badi Banga Bima Abima Abima ministre na ina nini oya ya nini o Tshisekedi boya ka oya ya Kojo. Mais Badi Bangadari, président du groupe parlementaire IDPS, mais a commis à pouvoir, un peu premier ministre. Donc, c'est que c'est Salima. Il a indépendance, oh, bon, balobi qui est Zalakate, mais parti IDPS, c'est pas ça, mon dos, de mouton côté, bon, bah, côté, c'est l'indépendance, c'est ou bien, c'est qui quoi? Il y a une question, mais tu présentes, prof, qui ça? Ah, mais quoi, professeur, est-ce que vous répondrez rapidement? Bon, voilà. Merci. Non, mais qu'on reprendre la lingala. Donc. Et le Kualiboso na lina loba, c'est que situation oya zanana oya lelo ezandenge mokote. Ya oya Badi Bangana Chibala, banoma ki bango sur base de l'accord politique, accord de la Saint-Sylvestre. Donc, pourquoi est-ce que Salema Kiboué? Parce que Kabila Azala ki déjà en dehors du terme oyo constitution et pesaye. Donc, on était au-delà du terme de la durée de la législature. N'est-ce pas? C'est depuis 2016, je pense, si je ne me trompe pas, que Kabila El Faya Akende. En 2016, on n'a pas eu les élections. Ça a créé crise, il y a légitimité. Il fallait Siko Oba Kokako discuter ensemble, opposition, na ancienne majorité, Oezala Kanatangwana, pour trouver un accord politique, comment le pays allait être géré, Tito Koman, organisation à l'élection. Ce qui n'est pas le cas ici. Pour ata président Félix a bengi batou na concertation mais concertation wana finalité nango c'était pour requalifier la majorité donc on n'est pas sorti de la législature donc on est dans le ici tozana na ba règle du jeu de jeu o ezana constitution c'est différent na o esalemaki alors pour ce qui est de la liberté des députés na lingi kana lobake le problème ezali comportement il y a député. Pour ataso ki tozongeli makambo a lobby, o ya UDPS que député oza muto a UDPS na parti na bino Etienne Tshisekedi ba lobby la directoire a parti et lobby bo siège té sinon vous allez cautionner la fraude. Yo décidé OK, ça veut dire qu'on respecte discipline il y a parti té, c'est comme ça qu'on dit ça. Donc c'est là le problème. Tozana ba député oyo tant au intérêt na bango eza en jeu, il ne respecte plus la discipline du parti. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui en politique. Et par rapport à ça, malheureusement, il n'y a pas des normes juridiques qui permettent d'imposer au parti, d'imposer la volonté du parti sur les députés, sinon on aurait violé la constitution, malheureusement. Merci beaucoup, hein, professeur Kabangueto. On va prendre le tout dernier appel de l'émission. Allô? Allô, oui, bonsoir, Marius. Bonsoir. Je m'appelle Patou, hein, j'appelle de France. Patou, bonsoir. Question, professeur. Bonsoir. Merci, on vous écoute. Alors, c'est quoi votre question? Oui, voilà, ça va être rapide. Hein. C'est, bon, moi je voulais savoir si est-ce que le président de la République a droit à une erreur ou pas? Parce que j'ai l'impression que tout ce qui peut être assimilé à une erreur, par exemple,
tombe directement à une violation de constitution. Est-ce que ça existe, vu que le professeur est là, que un président... Mais vous êtes d'accord avec moi qu'une erreur peut être interprétée comme une infraction par la loi? Vous pouvez commettre une infraction en commettant une erreur, enfin, pas forcément intentionnellement. Oui, ça, je suis d'accord, je suis d'accord, bah, mais une erreur, quand même, n'a pas le, la portée d'une violation, par exemple, intentionnelle d'une loi. Et ça va être jugé. Voilà, vous commettez une erreur, vous commettez une erreur, vous êtes sur la route, dans votre voiture, au lieu d'aller de l'avant, vous commettez une erreur, vous faites marche arrière, il y a quelqu'un qui était derrière, vous le cognez, la personne meurt. Vous avez commis une infraction, mais c'était par erreur. Oui, c'était par erreur. Ouais, tout le monde a droit à l'erreur, je pense. Oui, est-ce que parce que là, à chaque fois, les Congolais crient violation de constitution. Est-ce que le président a droit à une erreur? Ok, on écoute quand même. Je laisse quand même votre question. Je pensais vous avoir convaincu. Pas tout. On va écouter professeur Kabangé. Merci beaucoup. On vous écoute, prof. Alors, j'aimerais. Premièrement, dire que le président de la République est un humain, donc il peut commettre des erreurs, ça peut arriver. Mais j'aimerais insister ici sur le fait que toute violation de la Constitution n'est pas une violation intentionnelle en droit. Parce que je vois venir les gens pour dire que c'était une violation de la Constitution, donc il doit pénalement répondre. Non. Il faudrait que la violation, que le président de la République puisse savoir que non, ici, je devais faire ça, non, je ne vais pas faire ça, je choisis délibérément de faire le contraire. Ça, on appelle ça une violation intentionnelle, n'est-ce pas? Donc, ça peut arriver, mais dans le cas d'espèce, comme je l'ai dit, c'est à la Cour constitutionnelle qui revient d'apprécier, n'est-ce pas, le caractère intentionnel ou pas. De toutes les façons, ce débat-là, aujourd'hui, il est dépassé. Il est dépassé pourquoi? Parce que le Premier ministre Ilunkamba appartient au passé. On est dans une nouvelle dynamique. Le président de la République s'est rattrapé. Il a nommé M. Bahati comme informateur. Donc, il est revenu à ce qu'on appelle la légalité constitutionnelle. Et M. Bahati a terminé son travail. Il a déposé son rapport. On aura d'ici là un Premier ministre. Et donc, on est revenu dans la légalité constitutionnelle. Mais si vous voulez faire un débat de principe, le président de la République, il peut arriver qu'il fasse une erreur. Cette erreur, si elle a conduit à au non-respect d'une disposition de la Constitution, peut être qualifiée d'une violation de la Constitution, mais j'aimerais que les gens retiennent bien ceci, c'est que toute violation de la Constitution n'est pas intentionnelle et ne conduit pas nécessairement au régime de responsabilité pénale. Mais comme je le dis, c'est un débat aujourd'hui qui appartient au passé et peut-être qu'on peut juste en parler pour retenir des leçons pour l'avenir. Et de ce point de vue, le président de la République s'est bien rattrapé en nommant cette fois un informateur. Voilà, on va peut-être terminer par là, parce que on va pas revenir sur la même chose. Ce qui est important, c'était de savoir comment les choses se sont passées et comment les choses vont se passer dans les jours qui viennent. On va essayer d'avoir un œil sur Kinshasa par rapport aux prochaines élections sur le bureau définitif à l'Assemblée nationale. Apparemment, les jeux ou les dés sont jetés, les jeux sont joués. On va voir comment ça va se passer. Vous pourriez donc suivre le déroulement de ces élections en direct sur Marius chez vous. Un autre chapitre, on va finir par là de temps en temps, puisque les Léopards sont en train de jouer. Moi, j'adore les Léopards, c'est mon équipe préférée. Demain, ils vont jouer. Mais quand même, il y a un problème là, hein, prof. Tous nos joueurs là, ils testent positif au Covid. On ne comprend plus rien. Et là, on parle des 13 joueurs pour le match de demain. Et c'est quoi ce truc? Moi, ça commence à m'énerver. Oui, c'est quand même suspicieux qu'à la veille d'un grand match comme ça, qu'on puisse déclasser 13 de nos joueurs. Camerounais ou Mambazoussal. Donc, mais là, j'ai vu que le staff et les joueurs ont tellement râlé que finalement, ils sont en train de repasser le test. Je ne sais pas si cette information se confirme, mais dans tous les cas, il ne faudrait pas qu'on utilise la situation actuelle avec la Covid. Pour tricher. Donc, je ne charge pas les Camerounais, mais je pense qu'il faut vraiment
jouer fair play. S'ils ils réussissent à gagner dans les normes, c'est bon. Si c'est nous qui gagnons, c'est bon. Mais il faudrait pas que l'on puisse déclarer certains de nos joueurs positifs juste pour écarter les meilleurs. Donc, on verra comment ça va se passer et espérons que nos léopards vont encore nous faire beaucoup de plaisir. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, ils vont jouer pendant cette heure-là. Désolé, j'y serai en train de regarder le match des Léopards. J'adore les Léopards. C'est la seule équipe, quand on perd, je mange pas. Voilà, c'est la seule au monde que je supporte. Donc demain, on va suivre de très près ce qui va se passer pour ce match de quart de finale. Ce sera les Léopards avec le... On joue avec quelle équipe encore? Le Cameroun. Avec le Cameroun. Oh, les Camerounais. Ah ouais. On joue contre le pays organisateur et voilà, on déclare 13 de nos joueurs testés positifs. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une manœuvre pour essayer d'affaiblir les différents jokers qu'on aurait dans l'équipe? Je sais pas. Mais quand tu vois la proportion des joueurs qui sont testés positifs, est-ce que on nous dit par rapport au pays? J'ai vu hier, c'était 133 contaminés. Et que parmi les joueurs, 13 sur combien Sur 30. C'est-à-dire, c'est presque la moitié des joueurs. C'est 13 sur 30. Bon, ça peut arriver, hein, parce qu'ils partagent les vestiaires et tout ça. C'est possible, hein, qu'une personne est contaminée d'autre. On a le droit d'être suspicieux quand même, que c'est seulement quand on joue contre le Cameroun qu'on a... je ne sais pas s'il y a une équipe avant nous qui a un nombre là de 13, c'était positif. Bon, on a le droit. J'espère que ce qui a été dit, ce que j'ai lu est correct. Ils vont repasser le test et qu'on aura peut-être des meilleurs résultats. Parce qu'avec 13... personne qui ne se rend pas dans l'effectif. Je ne sais pas comment l'entraîneur va s'en sortir, mais dans tous les cas, l'impossible n'est pas congolais. On va voir. Demain, on va suivre ce match de très près. On va gagner, tu vas voir. Professeur Kabangé, merci beaucoup. Hein. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci de nous avoir éclairé. De plus en plus, je continue à vous faire confiance parce que ce que vous nous dites, c'est ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il y a de quoi. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette période des turbulences politiques qui va continuer encore. On va voir. Apparemment, les choses se dessinent. Bahati Lukwebo est pressenti être le futur Premier ministre. Est-ce que ce sera comme ça que le président de la République va le récompenser, ou peut-être un poste ministériel important en termes de responsabilité, pas en termes de gâteau? C'est ce qu'on verra dans les jours qui viennent. On aura sûrement besoin de vous. Demain, on y reviendra sûrement. Il y a des choses qui vont bouger. Merci beaucoup, professeur Christian Kabangé. Oui. Merci. Évidemment, sur ça, j'aimerais quand même souligner le fait qu'il ne faut pas oublier que toute cette période de tractation a conduit au moins à 4 mois. 4 mois où tout était paralysé. Et donc, sur les 6 du mandat du président, on a déjà perdu 4 mois. Et donc, je pense qu'ils doivent être conscients de ça et faire la course à la montre. Le Congo a tellement de défis qu'on ne peut pas se permettre de continuer à somnoler, à dormir avec les caprices des politiciens. Voilà. On va voir comment les choses vont se passer. En tout cas, nous, on va suivre ça de très, très, très près. Alors, cela étant, professeur Kabangé, merci beaucoup. Hein, merci d'être venu encore nous éclairer aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur en droit à l'Université de Kinshasa. Vous êtes juriste et vous habitez donc les États-Unis, à Maryland. Merci beaucoup d'être intervenu. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci énormément. Et si un autre merci mot beaucoup existait, je le dirais. Mais sinon, merci. Merci Marius, c'est toujours un plaisir et merci à tous ceux qui nous suivent. Merci et bonsoir, bon week-end. Merci beaucoup. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission Marius chez vous. Je vous dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que c'est pas la première fois. Si ça l'est, nous sommes en direct tous les jours, sauf mardi et jeudi à partir de 16h de Washington DC, 22h de Kinshasa et de Paris. Faites des calculs pour savoir à quelle heure nous sommes chez vous en direct. Je vous propose de vous abonner si vous avez aimé cette émission, si c'est pour la première fois. Je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube Marius Muhunga TV ou encore sur notre page Facebook Marius Muhunga. Abonnez-vous pour avoir des notifications chaque fois que nous serons en direct, parce que nous vous espérons de plus en plus nombreux à suivre cette émission Marius chez vous.
Au nom de tous ceux qui chaque jour nous soutiennent et nous permettent d'être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et j'espère bien vous retrouver encore demain, bien sûr, après le match des Léopards. J'espère que nous allons gagner, j'espère. Ben voilà, c'est tout ce que je peux dire. On se dit au revoir, n'est-ce pas? Allez, merci beaucoup, on est vendredi, un peu de musique. Ouais, moi j'ai envie d'écouter un peu de musique. Si vous voulez rester à écouter cette chanson que j'aime bien, pour vous savez, c'est le confinement. Généralement, à cette heure-là, après l'émission, on a rendez-vous avec des amis. Mais là, on est obligé de rentrer à la maison tranquille, manger, regarder la télé. Voilà, c'est le week-end. Allez, bonne soirée. Amusez-vous avec moi si vous voulez bien. Sinon, merci encore de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Aïlo bébé, Ilo, Aïlo bébé, Janana Ilo bébé, Ilo, Maître Jamosa. Fata qui met ma bise en la libre. Et bien là-bas, t'as que t'as là-bas. Et bien là-bas, t'as que t'as là-bas. T'as que là-bas. Yé, 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 comme tu dis, tu vois, crégata, crégaté, crégaté, yo baby. Two, one, zero.